Hello les amis, on se retrouve ce matin à la Londe pour un trail de 33 km 800 D+ au profit du Téléthon. Donc le départ est à 8h30, j'ai déjà récupéré mon dossard, j'ai regardé sur la liste, on n'est pas beaucoup, on doit être une trentaine sur le 33 km. Barrière horaire prévoit 5h30 pour faire les 33 bornes, donc ça devrait le faire. Je vous dis à tout à l'heure au départ. On verse au moment du Téléthon, donc on verse, bon, cette année, ça fait 2 ans qu'on verse pas beaucoup, mais en général on essaie de verser entre 10 et 15 000 euros. Mon fils est décédé il y a 4 ans, donc avant ça s'appelait les frais des temps des filles, mais maintenant forcément ça s'appelle les frais de Martin. Donc merci de courir pour les enfants mieux pas. Merci à vous. Allez, et c'est parti pour 33 km. Ils sont des plus. On a retrouvé le parcours, donc le vin est parti à 9h. Bon, on va rattraper doublé, on a perdu une demi-heure, donc comme ça on va essayer de le rattraper, on va bombarder un petit peu. Allez, c'est parti. On rattrape tous les vins qu'ils ont portés à 9h. Je crois qu'il y a un chemin par là, mais je suis pas sûr. Donc là on n'est pas haute en hauteur de plafond. Moi ça va, je suis pas très grand. C'est quand même beau par là. Regardez cette Normandie. Toujours un concurrent du 33 km qui est devant moi. Ouais, j'irai à peu près 300-400 mètres. Je sais que je ne rattraperai pas. Mais si je peux maintenir cette distance avec lui, sachant que je devrais avoir le ravito bientôt, ça serait bien. Allez, on continue. Et toujours personne derrière. Donc, arrêt au premier ravito, qui est au 12e, et moi j'ai 17 bornes, donc on s'est déjà rallongé de 4 bornes. Allez, pour moi on est toujours que 3. J'approche gentiment du semi, je pense que je vais être en 2h10 au semi, sachant qu'au final on s'est renseigné, premier ravito c'était le 12e. Donc on s'est bien rallongé de 4 km. Ce qui doit me faire au total 37 à l'arrivée. Ça va être dur. J'ai les jambes qui piquent un petit peu.
falloir trouver comment se relancer. J'ai un ravito dans 3 bornes. On va se reposer encore un peu, et toujours personne derrière comme vous pouvez le voir, regardez. Allez. Que dire, 22e kilomètre. Encore 14 environ. C'est dur. C'est dur. Après les pas. Le parcours est sympa. Regardez. Je vous laisse profiter, je suis tout seul dans la forêt. Un petit ravito sympa. T'es arrivé mon fait. Allez-y, y'a de la bière, y'a de la bière. Bah non, en fait, ils m'ont rien cru, c'était de l'eau. Bon, peut-être la bière à l'arrivée. Allez. Sur ce, il me reste 14 km à faire. Ça devrait aller. 2h30 de course. 24e kilomètre. Allez, c'est parti. Petit passage dans un tunnel noir. Hop, on va pas sortir la frontale, on va sortir, pas sortir la frontale, on va sortir le téléphone. Plutôt cool, je trouve, n'est-ce pas? Allez, on est presque sur la fin de ce petit tunnel. Bon, par contre, bien évidemment, dans ce tunnel, qui va faire 50 mètres, allez, à tout casser, eh ben, j'ai perdu le signal GPS, logique. Bon, bah, c'est pas grave, sur les 4 km que j'avais en rab, eh ben, il me manquera 200 mètres. Allez. Allez, je vous fais partager, regardez. Heures de course, 28 km de fait, il m'en reste 9. Je pense que je vais mettre une heure. Bon, ça va faire du 4 heures de course, je pense, pas moins. Mais allez, dans 2 km, le dernier ravito, il restera 7 bornes. Allez, c'est parti. Mais là, ça fait que grimper. Je pense qu'on est sur les 100 derniers mètres de D+. Bon, encore erreur de parcours, donc franchement le balisage il est vraiment zéro. Donc je me suis rallongé encore de 2 km. Je vais pas être loin des 40 à l'arrivée. Allez, normalement j'ai le ravito qui arrive. Allez, il reste 7 bornes à faire tout seul. Le dénivelé normalement c'est bon. En espérant pas se paumer parce que là, ah ouais, je vais avoir 40 bornes je pense. Allez, bah là je pense que je vous retrouve à l'arrivée. Tchuss. Bon, encore des erreurs de balisage à la con. Là, ça m'énerve. Donc, il me reste bien 7 bornes à faire. J'ai réussi à retrouver. Donc, je suis au 36e. À me faire 43 bornes. Allez, je vais avoir fait un marathon. Nickel, c'est une bonne prépa. Allez. Allez. Plus que 2 km environ. Mais les sont durs, j'ai plus de jambes. Je suis au 41. Je vais avoir 43 au total. Je suis cuit, j'en ai marre. Le balisage, comme j'ai déjà dit, c'est de la merde. Clairement.
Est-ce qu'il est reconseillé? Oui, je le reconseille quand même parce qu'il est pour la bonne cause, clairement. Mais sinon, non, pas à faire. Il y a des trails plus sympas, mieux balisés, mieux organisés. Voilà, allez, je vais retrouver l'arrivée cette fois-ci. Hello les copains. Bah non, je vous reprends avant la ligne d'arrivée. Et en fait, bah, notre amie Lily, Lily la licorne, bien connue en Normandie, bah, je viens d'apprendre qu'elle n'est pas passée non plus. Pourtant, moi, je me suis rajouté 10 bornes. Ils l'ont pas vu passer. Bon, je pense qu'elle s'est perdue aussi. J'espère que c'est juste une perte de sur le parcours et pas une blessure qui l'a obligée à abandonner. C'est tout ce que je souhaite. J'espère juste que c'est un petit égarement et apparemment, à ce que je discutais, beaucoup sur le 33 se sont trompés sur le chemin. Donc, peut-être des choses à revoir. Bon, allez, moi, il me reste encore 2 bornes. J'en ai plein les pattes. J'espère vraiment qu'il y ait une bière à l'arrivée. Bon, apparemment, Lily, elle est juste derrière moi. Ah, c'est dur. C'est dur. Regardez. Ça y est, là-bas, l'arrivée. Regardez. Hop. On y arrive. Allez Lily!